à Saint-Jean-sur-Richelieu, au 216 rue Champlain, MC Fight 4, édition MSA. Yo, c'est Cruise Noise, MC Fight 4, édition Omerta, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça va se passer. J'ai une silence pour le MC Fight 4, édition Omerta. Checkez ça, c'est une tuerie, man, c'est une tuerie. Hey yo, what's up, c'est BPP. Bienvenue au MC Fight 4ème édition. Ici Joe le motherfucking Kaz au MC Fight édition Omerta. Salut, moi c'est Joe Cash, je suis hot. Le monde me paye pour pas allonger, j'ai fait loin la révélation. Mais ça va, c'est de meilleures façons de faire du cash. Hold up, révélation. Yo, what's up, c'est BG. 21 janvier, on est à la boutique Omerta à Saint-Jean-sur-Richelieu. Yo, what's up, c'est Rayou. On est présentement au MC Fight 4, édition Omerta. Fait que ça, je passe un call out, c'est mon roi, man. T'as le choix de l'accepter ou pas, là. Yo, what's up, le gros MC Fight 4, présentation par Omerta. On est au 216 rue Champlain. Faites du bruit. Yeah! MC à ma droite, représente Saint-Jean-sur-Richelieu, je te laisse te présenter. Jody 459. Ah, c'est simple, c'est ça, Jody 459. Yeah. Yo, MC à ma droite, viens de Québec. Yes, Songer, représente Québec, Portneuf. C'est la tête. Alright, Songer, pile ou face? Face. C'est pile, man. Tu commences ou il commence? Yes. Je te laisse commencer. Okay. Je pensais que j'allais pas me pointer, que j'allais choquer à soir. Ouais. Sorry, mais tu t'es trompé parce que je suis ici avec une tonne de lignes, avec des angles différents, fait que je te bodybag avec un compas. J'ai pas personal, juste ton nom d'MC, fait que je me débrouille avec ça. Toi, t'as mes deux albums que t'écoutes en boucle, puis Chris t'aime ça. Puis je te comprends, c'est du bon stock, des multis, du flow, une voix qui sonne bien. J'ai tout ce que tu souhaites avoir quand tu te regardes dans le miroir, mais t'es juste un vaurien. Les battles, c'est pas ma branche, je suis plus un gars qui rappe sur le beat. M'accomplir. Le verse fini, mais j'ai encore plein de trucs à dire. Le deuxième round va être chaud comme la nappe phréatique. Ah, sorry, j'ai chié le verse. Vas-y, Will. En dernier round? Ok. Donc, pour commencer, à ce qui paraît, j'ai tes deux CD, j'arrête pas de les écouter. Hé, hey, rendu là, tu penses quoi? Je vais devant le miroir si jamais je me regarde et je pensais à toi. C'est certainement pas pour me branler. Damn, je t'avais branlé plutôt de prendre un compas. Ben, c'est pas la réalité? Prends l'exacto pour être perfecto. Peu importe le style, même tu vaux zéro. J'ai même pas encore un album de sortie, mais tout le monde le sait. Je te torche en esti, so fuck, qu'est-ce que t'as représenté? Tu voulais plaisanter, tu voulais parler de moi. Et devine dans le rap game, c'est qui le nouveau roi? So damn, scop, moi j'ai pas de texte d'écrit. Je me dis, ok, j'ai un complexe. Je suis plutôt stressé dans la vie. Mais peu importe qu'est-ce que j'y prends le pas non plus personnel. Peu importe, Gauthier Ossu et Joe dit 459, le gars qui donne des ailes. Attention, quand j'arrive dans place, c'est clair que je laisse des séquelles. Même si je bafouille, c'est couille, s'il te plaît, lèche mes deux couilles, j'en ai rien à foutre du reste. On parle de mon test, je laisse pour mes cas, prends pas ma place. Même si jamais les mots ont pas de sens dans mes phrases, je continue, je mets de l'essence dessus, j'arrose, on brûle, plus personne n'en parle. Time! Nice. Ça va pour le premier rang, ok? One-on-one sur un beat ou à cappella, c'est sûr que je domine. La compétition me permet de me surpasser à chaque ligne que j'écris. La compétition me permet de me surpasser à chaque ligne que j'écris. Je suis pas un faux nez. Tout ce que je dis est loin d'être inventé. J'ai rien à foutre des égotripes des MC qui veulent cela raconter. Je rappe pour moi, pour les gens qui écoutent ma musique. Ceux qui se pensent toc dans leurs clips, je les méprise autant que ceux qui font du rap humoristique. Si tu sens visé, c'est pas mon problème. J'ai fait un round de merde sur toi pour te dire ce qui se passe en ce moment du rap game. Putain. So, tu me dis que t'es le roi des acapellas, attends, tu ramasses la mode comment toi? T'as pas de pelle chez toi?
Attends que je t'explique, je vais te dire la réalité. Tu me prenais pour un clone? Non, je suis un clone et j'ai été décloné. J'arrive dans le rap game pour représenter. Représenter quoi? Je sais pas, n'importe qui en fait. Hey, le respect, c'est le respect. Si jamais tu voulais rapper contre moi, ben, je te dis quelque chose. Mets-toi à côté et reste prêt. Le miroir, c'est toi qui l'analyse, Dem. Tu connais ma devise, deux fois meilleur pour trois fois pire. Hey, on m'a arraché les canines, c'est pour ça que je prends pas le style d'un vampire. On m'a dit scope, ça pire. De la vie, y a pire. De toute façon, peu importe qu'est-ce qu'on dit, j'empile. Hey, pile ou face, man, j'en ai rien à foutre de tout ça. C'est ma vraie face à chaque putain de mot, à chaque putain de phrase, dans chaque putain de strophe. Et peu importe qu'est-ce qui arrive à côté, y a pas de catastrophe pour moi. Hey, je suis un désastre naturel. Dans les astres, y est écrit mon nom. Gauthier au-dessus, tu le vois au ciel. Comme Batman, j'suis un champion. Pour continuer, t'as vu, on a des croix rouges par terre. Dem, tu vas appeler la tienne pour pouvoir demander des réserves. Après, pour financer ton troisième album, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas demander un featuring. Hey, il est passé où, Gauthier? Bang! Bang. Nice. Nice. Quoi de neuf, PD? J'ai trouvé ton beat assez soft, mais j'avoue que tes textes, c'était pas si mal. Tu rappes avec l'accent français, mais en plus mauvais, je crois que je vais t'enterrer, on appelle ça un body bag. J'ai la rage, je pense qu'il était temps que je croise le fer. Comme Nadal, j'ai un bon swing chaque fois que je croise ta mère. Elle me demande des services, mais je lui dis de manger mes balles. Je lui dis de manger mes balles. T'es mieux d'écouter comme mon fils, sinon je te frappe du revers de la main. Après, je te smash en face pour que tu sortes du terrain. C'est la dernière fois que tu vas battle contre un opposant parce qu'à soir, c'est le début de ta fin. God 459, sérieusement, quelle normarde. Quand t'as pensé à ça, c'était sûrement deux pofs de crack. À soir, c'est la fin de ta carrière. Soir, c'est la fin de ta carrière. Même si tu ris jaune au fond, je vais te laisser avec une défaite amère. Puis fuck you, man, je vais fourrer ta mère. Allez, time! Hey, tu parles de fin de carrière avant, je pensais la commencer. T'as vu, après deux albums, le rap, c'est même pas commencé. Hey, qu'est-ce que tu veux que je te dise, man? Je te l'avais dit dans le verse d'avant, le putain de... Attends, on reprend. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te l'avais dit dans le texte d'avant. La croix rouge qui est par terre, c'est pour toi, évidemment. Damn, on parle, c'est pour mais quand tu veux vider, c'est pas. Tu mets tes balles sur ma mère, mais t'es fou, t'es trop fréquent. Tu parles de jouer les togs, mais là, t'as pris des risques. Quand j'arrive dans le rap game, je trouve pas de quoi faire tourner ton disque. Ouais. De toute façon, c'est un CD ou une compilation. Avant de t'accepter sur Facebook, j'avais jamais entendu ton nom. On m'a dit, hey, d'où ce qui vient, songer, Québec? Ouais, mais ok, maintenant que t'es à Saint-Jean, représente les vrais ou représente rien, ferme ton bec. On va dire les choses telles qu'elles sont. Dans le rap, je suis là pour donner des leçons. J'ai toujours raison, peu importe la façon. Hey, je te parlerai pas, c'est pas les cons. Ok, c'est vrai, là, je reprends ma phrase. Je te parlerai pas trop vite, parce que sinon, tu vas me prendre pour un con. On passe pour un con. Le con, le con. Tu sais, c'est quoi un con? C'est ce qu'il y avait dans le fond de ta mère quand je suis dans le fond. Je l'ai mis en scène, désolé, tu disais être mon père, je pense que t'as inversé les cartes, man, t'es plutôt mon fils ou mon frère, je sais plus vraiment, hein, parce qu'il paraît l'incest, c'est chose coutume chez toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'ai pas mis de costume, et là c'est qui, le clown, hein, réponds-moi, on passe pour les cas, je t'ai déjà dit dans le premier, le rap, je suis le roi, non, ok, j'ai pas de roi, j'ai pas de couronne, j'ai pas le droit, j'ai pas, commence à te choquer moi aussi, on dirait que je prends tes habitudes. Quand je veux fermer la gueule, hein? La défaite est amère, quelle platitude! Aïe! Moi premier? Ouais, vas-y. Aïe, le gros! De toute façon, je veux juste dire, c'est tout de l'amour, fait que le jugement, prenez pas ça personnel. Son G a des bonnes lignes, mais je trouve qu'il a stumble assez. God, il est arrivé freestyle beaucoup, mais c'était très dope. Donc, mon vote va à God. Yo, Spongy, shout-out OMC, c'était vraiment nice. Sauf que c'est sûr que je suis obligé de le donner 3-0 à God parce qu'il y a eu les stumbles, les chokes. Sinon, j'ai trouvé ça cool. C'est juste faudrait que ça parle un peu plus fort, plus d'intonation pour plus avoir le hype du crowd. Mais sur le barreau, c'était vraiment cool. Fait que props. MCL, dans le fond, je vais y aller vraiment court et simple. Dans le fond, songer, c'est sûr qu'il y aurait dû plus. Je sais pas si c'était un manque de préparation, mais il manquait d'assurance. Puis je pense que Gauthier s'en est vraiment bien sorti en freestyle. Puis il a vraiment bien joué avec les mots. Puis toutes les rounds, dans le fond, il y avait un petit edge pour God 4-5-0. Fait que 3-0 God 4-5-0. Allez!